Le cœur, symbole universel du centre vital du corps humain. Siège des sentiments pour les uns, intelligence et intuition pour les autres. Les Chinois, par exemple, considèrent le cœur comme l'élémentaire et lui associent le nombre 5. Le 5 étant considéré en Chine comme le centre. Le cœur est également associé au soleil. Chez les taoïstes, le cœur est le maître du souffle. Dans la tradition islamique, le cœur n'est pas le siège de l'affect, mais il est le siège de la contemplation et de la vie spirituelle. Aujourd'hui, en Occident, le cœur est devenu plus communément le siège de l'amour, de l'amitié, des pensées et des actions altruistes ou égoïstes. L'expression « avoir un cœur de pierre » ou « un cœur en pierre » se dit d'une personne froide et sensible, sans émotion. Pourtant, les cœurs en pierre taillés dans différents cristaux sont l'antinomie de cette expression, car une pierre brille au soleil, réchauffe le corps, redonne la confiance en soi, inspire la créativité et la sensibilité, encourage l'optimiste et les actions positives. Il faudrait sans doute remplacer cette expression par « avoir un cœur d'artichaut ». Mais au fond, le cœur d'artichaut, bien que caché sous une énorme carapace de feuilles dures, est ce qu'il y a finalement de plus tendre. Pierre ou artichaut, il faut toujours le suivre.